profit. Vous ouvrez, descendez et vous remontez. Faites un système un petit peu circulaire pour remonter les cellules. Imaginez comme si on tirait votre bras vers l'avant, vous tirez dans le sens opposé. Ce qui est important pour le Tensoro, le principe, c'est de tirer quand le partenaire tire, descendre votre centre de gravité et appuyer avec le dos de la main. Donc on orienté vers la braque. Quand vous êtes là, c'est une saisie. Vous imaginez que vous saisissiez le coude et vous enrouliez le corps du partenaire. C'est une projection. Okay, c'est une projection ici. Donc là, ce qui est important, le premier mouvement, la force est liée avec les hanches. Souvent, l'erreur qui se passe, c'est d'essayer de le faire avec le haut du corps, alors qu'en fait, c'est le bas du corps qui va donner la puissance. Ici, et on tire. Je vous montre de profil, ce qui est important de ne surtout pas faire, c'est comme ceci. La pointe des pieds doit être tournée vers l'extérieur. Ici, vous voyez, vers l'extérieur. Allez, coup de genou exclusivement au sac. Ok, c'est parti. Je rappelle sans toucher. 1, 2, 3. Ça donne un bâton solide, suspendu avec le corps par son centre. Si vous poussez un côté, l'autre côté vous revient de suite dessus. Je contrôle ici. Je perds la balance. Alors quand je perds la balance, c'est pas le pied qui bouge comme ceci. Alors, imaginez que c'est l'épaule d'abord qui part et donc du coup ça génère une force. Si l'épaule est part ici, la hanche suit et le pied est sur en dessous. Donc, enchaîner pour 1 minute. Vous pouvez travailler en mouvement, bouger ici, pensez toujours à la travail du deuxième, okay, et l'ancrage, okay, enfin, l'ancrage, tout au moins stop sur vos jambes. C'est parti pour 1 minute, tension tout le temps dans l'élastique, ne relâchez jamais, allez go, et on change, ouf, frappe, ouf, frappe, ouf, passe, change ici, pompe, doucement. C'est bien visualisé, que les coudes et les genoux. Hein.